honourable member for Burnaby, New Westminster. Mille professionnels chargés d'aider nos anciens combattants ont perdu leur emploi. Un employé sur quatre et 9 bureaux régionaux fermés. Et les premiers ministres qui prétendent que ne se sont que les bureaucrates. Quel mépris, tant pour nos fonctionnaires que pour nos anciens combattants qui ne reçoivent pas les services nécessaires. Au lieu de mettre à la porte les fonctionnaires qui aident nos anciens combattants, pourquoi le premier ministre ne met pas à la porte le ministre qui ne fait rien pour les anciens combattants? Mr. Speaker, our government will continue to ensure that we have the right people in the right locations to assist our veterans and their families. And we have invested in new frontline medical facilities for Canadian veterans and their families. We have been opening military family resource centers in 7 locations across the country to medically releasing veterans and their families. And we, Mr. Speaker, will continue to make improvements while the opposition opposes all these measures. The Honourable Member for Burnaby, New Westminster. Les nouveaux NPD en se battent pour les anciens combattants. Les conservateurs se battent contre les anciens combattants, même devant les tribunaux, Monsieur le Président. Les conservateurs prétendent devant les tribunaux qu'ils n'ont jamais promis de prendre soin de nos militaires blessés. Selon l'avocat du gouvernement, ce n'était pas des promesses formelles, c'était juste des discours politiques. Incroyable, Monsieur le Président. Pourquoi les conservateurs reprochent aux anciens combattants d'avoir cru les promesses conservatrices? Mr. Speaker, the irony of all of this, I can rhyme off a litany of issues that the party opposite has not supported, all of which have gone to help support our veterans in programs and services for them and their families. And it's most unfair at this point in time for any of us to comment on a case now before the courts. Yeah.